Est-ce que yon chrétienne capable de mettre pantalon? Est-ce que la Bible interdit pour yon chrétienne pas mettre pantalon? Bonjour, bonsoir, comment nous y est? C'est Zamou Frère Plaisir qui vient partager avec vous la parole de Dieu. Jodi a nous voulons parler sur bel sujet ça. Est-ce que yon chrétienne capable de mettre pantalon? Est-ce que Bible a interdit pour yon chrétienne pas mettre pantalon? Sujet ça fait en pile écho, en pile discussion. Et jusqu'à présent, gen moun ki pou, gen moun ki kont. Tenez bien. C'est pas tout bagay qui écrit noir sur blanc dans Bible là. Gen en pile bagay qui interdit pour un chrétien parfait. C'est par rapport avec discernement que bon Dieu ba nous, remarque que bon Dieu ba nous sur l'autre verset, nous pral wè que un chrétien pa gen droit faire ça. Par exemple, un chrétien pa gen droit fumer. Pa gon verset clairement dans la Bible qui dit que pi gay un chrétien fumer. Non, mais la Bible dit que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite dans vous. Moun qui détruit col, bon Dieu a détruit tout. Donc l'or fumé, li gagne un effet négatif, li fait sous corps. Donc chrétien pas gen droit fumer. Est-ce que gon verset qui dit que pi gayon chrétien je bolette? Non. Mais la Bible dit que chrétien pas gen droit remer l'argent facile, ça c'est cupide. Donc chrétien pas gen droit nan jouer bolette. Et comme ça tout, nous-mêmes comme prédicateurs, nous pas là pour ajouter dans sa Bible là pas dit. Nous là pour nous vérité à Jean lié. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas gon verset de la Bible qui dit pi gayon chrétienne pas mettre pantalon. Non, et Bible a tout pas interdit ça. Très bien. Moun yo dit Deutéronome 22 verset 5 dit que pi gayon chrétienne mettez pantalon. Bible a pas parlé de pantalon. En nous verset. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Femme pas gen droit mettre rad garçon. Et garçon pas gen droit mettre rad femme sou yo. C'est à bon Dieu dit nous. Li pa vle ou bagay comme ça. Li pa parler de pantalon. Au contraire, Deutéronome pral écrit au 7e siècle et pantalon pral exister dans 10e siècle. Donc, li parle de rad fille et rad garçon. Au contraire, jodi a gen pantalon fille, gen pantalon garçon. Donc texte là pas parler de pantalon. Texte l'a dit, puis gars femme nan metra de garçon et puis gars garçon nan metra de femme. Et jodi a c'est ça nous l'homme a fait. Jodi a l'on croise avec une femme qui rad qui sous li rad garçon. Et jodi a l'on croise avec une femme li metel pi garçon que garçon femme. Femme nan metel pi garçon que garçon. Bout tennis li nan piel, jeans garçon sous li, maillot garçon sous li et puis la balancer des bords, vous comprenez? Gen fi même qui même retire tete yo tellement yo vle semblak garçon. Bible a interdit ça. Et ça Bible a interdit. Ou pa ka femme ou ap met rad garçon. Lor se femme ou ap met rad femme. Et jodi a tout, lor croise avec garçon li même ki rad ou konnen sou li rad femme. Jodi a garçon nan met jupe, garçon nan met talon ki kit, garçon. Jodi a garçon nan met greffe, garçon nan met allonge, perruque garçon oui. Garçon nan rose zon, nan zon long, garçon. Et l'on croise avec garçon, li mette le pi femme que femme, li pi estera, li pi demoiselle. Et je dis, faut prier en pile, oui. Pour pas prendre dans la boue mimi. Tellement, femme semble garçon, garçon semble femme. Bah, tête en banette. C'est ça, Bible a interdit. Li pas parler de pantalon. En nous clair sur ça. Très bien. C'est pas pantalon en soi qui péché ya. Mais c'est femme pantalon qui pral péché ya. Dans 1 Timothée 2 verset 9 et 10, toute servante de Dieu doit converser ça. Que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. La Bible mandait pour mesdames habiller décemment avec pudeur et modestie. Donc, si pantalon pour le mettre sous ou à, li sans pudeur. Si pantalon ou pour le mettre sous ou à, li pas d'une manière décente, c'est là où pour le péché. Je dis à pour des monde qui les têtes aux chrétiens qui dans la rue à bagui à collant côté que ou appli toute forme yo, tout devant yo.
des jeunes filles l'église gade, qui mettent un rad sous yo ou ap gade toute race culotte yo et pas seulement pantalon non li nan jupe li nan rad oui des jupe moi jeune fille ap mette jodi a yo pral l'église plutôt te met ton pantalon décemment oui bible tombe à terre pendant le met jupe là pas ka prendre bible non s'il baisse ou ap gade tout en bal oui li vinn vendre nos marchandises. Je veux dire, l'on veut l'église, ouais, toutes mesdames, yo, viennent vendre marchandises. Tête dehors, cuisse dehors, vous comprenez? Trace culotte dehors, ou ap gade toute forme, yo. Pantalon chiré, ou ap li toute cuisse li, toute culotte li, sans pudeur. Je veux dire, jeune fille l'église, même n'a met pantalon sans fouk, ou par honte, pour aller dans ma quête, à un bout de pantalon sans fouk, y a pli toute fesse dehors. Y a pli toute lombri tout. Tout devant sans pudeur. C'est pas seulement dans forme pantalon li ka péché. Li ka péché tout dans forme jupe là. Li ka péché tout dans forme robe là, dans forme rad là. C'est pas seulement pantalon, au contraire, gen pantalon qui descend. Donc li pas un problème. Tenez bien. Gen fille qui mette pantalon dans une bonne intention. Par exemple, yon fille qui nurse, qui docteur, est-ce qu'on peut interdit de mettre pantalon? Non. Elle pas empêché tout par rapport avec bel pantalon qu'elle mette pour la salle opération. Elle pas empêché. Et dans moment Freddy, yon moun kap vive Canada, Boston, la Russie, etc. Ou pral interdit de mettre pantalon? Non. Ça n'a pas aucun rapport avec sa lune. Non. Seulement pantalon, il doit descendre. Normal. Yon fi kap conduit machine. Par exemple, yon madame Sarah qui sous tête machine toute la sainte journée. Est-ce qu'a dit il pas mettre pantalon ou fait yon crime? Parce que s'il mette pantalon, la pi bon pou li, les ouvert pied. Les sacs patates là, sac la menant devant, la encore pi bon pou li. Bible a pas interdit ça. Yon fille kap veut football, ou footballeuse, ou qu'a dit ça avec un jupe pour monter terrain? Non. Non. Tenez bien. C'est femme pantalon, c'est femme jupe là, c'est femme rad là pour aller faire péché. Et même garçon tout. Je veux dire, il y a des jeunes garçons l'église, à l'église en pantalon pour le retirer le sous lit, c'est coucher le coucher pour petit frère l'a râler des pieds tellement pantalon serré, ou a garde tout pénible là-dedans. Je dis à jeune gars sur l'église, il met ton costume sous lui, ou appli tout tête, il met ton chemise, il dépoule ton chemise là, ou regarde tout l'estomac lui, ou vient tant tes jeunes mesdames à l'église là, vagabond. Mets chemise là normal, tache chemise là normal, mets pantalon normal, c'est chrétien. Donc c'est ça que la Bible interdit. Tenez bien. M'a parlé dans l'autre étape qu'il y a dans l'autre dimension. Dans Romains chapitre 14 verset 13 à 21. Homme de Dieu a en bas puissance le Saint-Esprit. Li pral dit avec l'église Rome. Attendez. Gen en pile bagay, yon chrétien pas ka fè. C'est pas parce que l'œil fait li péché non, c'est pour la foi moun ki fait bio. C'est pour païen yo ki fait le pas ka fè. Donc gen manger ou pas gen doit manger pour si la ou ki fait bio. Pour païen yo. Gen habillement ou pas que doit mettre sous l'homme mettre ou pas péché mais ou pas mettre pour si là qui faible dans mi-temps pour pas yo. Par exemple, m'ta marre tête moi avec un mouchoir rouge et puis mettre yon chemise plusieurs couleurs sous moi ou pas dit me semble avec un boko. Tout pas y a dit regardez monsieur quitte l'évangile lui tomber dans boko rad là pas faire péché non mais si mettre yon forme rad comme ça sous moi. Tout le monde a dit c'est diable m'a servi. Donc, moi pas mettre rad là pour la foi faible. Mais rad là pas problème. Depuis rad là, descente. Tenez bien. Tout bagay ou senti qui fait par l'empile comme chrétienne. Tout bagay ou senti qui fait écho. Et que dans yeux païen yo, dans yeux moun ki faible, ou senti ça ka déranger yo, évitez pas faire. Quel que soit ça le taille. Quel que soit sa taille, évitez pas faire. C'est la parole de Dieu et son autre dimension. Ma prière pour mon Dieu fort jambé dans la dimension ça. 1 Corinthiens 10 verset 23 32 à 33. Homme de Dieu a dit tout est permis mais tout n'est pas utile.
tout est permis, mais tout n'édifie pas. Depuis son métier, il pas sert à l'édification. Il peut faire parler en pile, il peut faire discussion, il peut faire écho. Côté que dans yeux païens, dans yeux monde faible, yo pral prendre ça mal comme chrétien, comme chrétienne, évitez. Comme chrétien, comme chrétienne, évitez. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 23, homme de Dieu après dit ça aussi. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ce Marc Fremio, tout ce senti qu'a dérangé le monde par rapport avec l'évangile pour sauver, éviter faire. Et pas parce que l'on fait ou péché, mais c'est parce que la foi le faible. Et si pareil ou comprendre, sans pral faire mal, éviter ça. Tenez bien. Si dans le cœur, si dans l'esprit ou senti l'homme mette pantalon ou coupable, pas mette. Mais si vous senti dans l'esprit ou l'homme mette pantalon, ou mette le pour Freddy, etc. Ou pas mette le pour bail chaud, ou mette un pantalon qui descend, li pas un problème. Mais tenez bien. M'dare mon jambé dans la dimension ça. Si pareil ou un pantalon sous à mal, si moun ki fait de la foi ou ouais pantalon en sous mal, évitez mettez pour ka sauver moun ki gen foi faible et pour ka sauver pain. En conclusion, moun ki mette pantalon an, li pa péché. Et moun ki pa mette pantalon en tout pour le capable sauver faible et pain yo, li fait pi bon. Moun ki pa mette pantalon an, pour le sauver faible, pour le sauver païen, il fait plus bon. Bon Dieu, bénis-nous dans la dimension ça. Mais, pas critiquer les gens qui mettent là. Priez bon Dieu pour lui, pour le cas jambé dans la dimension qui est au jambé. Nous souhaitons nous clair sur le dossier ça. Que bon Dieu continue à ouvrir les yeux nous. Que bon Dieu bénisse nous. C'était amis, nous ferait plaisir.